L'Europe n'est pas le seul continent au monde à avoir des mégalithes. La preuve, partout en Afrique de l'Ouest, où se trouve un site mégalithique, les Cromlechs de Sénégambie. La Sénégambie, zone géographique correspondant au bassin des fleuves Sénégal et Gambie, abrite 4 sites mégalithiques majeurs comprenant des cromlechs, des cercles de pierre mesurant entre 50 cm à 2 mètres de haut. On totalise 9 cercles au site de Kerbatch, 11 à Wassou, 21 à Wanar, et le site le plus important, Sinen Gayen, abrite 52 cromlechs pour un total de 1102 pierres dressées. Ces cromlechs font partie d'un ensemble géographique mégalithique plus large, contenant d'autres sites de pierres non dressées et de tumuli. Les corps retrouvés lors de fouilles suggèrent qu'il s'agit de monuments funéraires, dont les matériaux périssables auraient depuis disparu pour ne laisser que les cercles de pierre. Bien plus récent que les mégalithes européens, la datation donnerait une période de construction s'échelonnant entre le 7e et le 15e siècle après Jésus-Christ.